Salut à tous, c'est Mévo. Continuons aujourd'hui notre aventure sur Catherine et on va continuer. C'est parti. Ok. C'est toujours dans la malédiction des hommes fidèles. D'accord, comme celle de Paul, tu veux dire. Circule pour ça le courroux de la femme. Ok. D'accord, alors si vous entendez du bruit derrière, je suis désolé, je peux rien y faire de plus. Sans doute. Ok. Si je devais voir que ça à chaque fois de ces fausses notes, pfiou. Milieu ne peut, ça me casse complètement l'envie. Enfin bref. Ouais, bon, en fait, il pose des questions. Pose des questions au mec, quoi. D'accord. Non mais sérieux. Ah, on voit le téléphone et consulter vos messages. Très bien. Ok, vous pouvez également recevoir. D'accord, ça je le sais. Alors reçu. Alors. Félicitations, vous avez terminé le niveau 2, intitulé Prison du désespoir, consultez ou tentez de battre votre rogue aléateux depuis l'option distinction du mode. D'accord. Tu as encore à boire là, je le crois, Posimolo. Ça, on l'a lu déjà. Alors, vous avez terminé. Bon, ça, on l'a vu. On les a pas ouverts, mais c'est les messages qu'on a reçus. Parce qu'on a un sentiment. D'accord, ok. Bon, on a tout vu. Ok. Alors, se lever, là, on va se lever. Alors, où est-ce qu'on peut y aller? Peut-être aller voir la fille. Merci pour tout. D'accord. J'ai du peine dans un niveau aussi adorable, ne me remettez pas, remercie Erika. Ok. Il paraît que tu veux te marier. Ok. D'accord. Ça n'a pas l'air d'inquiéter Rin, mais d'accord. Si c'est pas renseigné, tu seras là pour l'aider. Hein. C'est aussi ton problème, mais non, franchement. Bon, sinon, pour un fidèle, j'aurais jamais cru. Tu ne tiens plus à Catherine ou quoi? Bien sûr que si, mais j'ai l'impression que je n'en étais pas. La malédiction des hommes, c'est très bien refondé. Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est du pipeau. D'accord. Alors, on est censé aller où? On est censé aller où? On peut pas rien faire d'autre là, dans ce charabia là? On peut sortir carrément ou pas? Ouais, allez. Hey, are you going home? Occupe-toi de bien, Rin, ok? L'amnésie, c'est vraiment effrayant. Et vouloir jouer du piano, c'est si particulier. Je te verrai ici. Si elle se rappelle, un truc. A plus. Ok. On pouvait qu'il y ait quitté, hein, tout simplement. Très bien. Ah, voyons voir ce qui s'y passe. Alors, si vous entendez du bruit, je suis désolé, je viens de passer une machine. Donc, il y a un bruit de moteur derrière, dans le micro. Ça se trouve que vous l'entendrez, je sais pas. Enfin, j'espère pas. Mais bon, pardon. Ce live sera un petit peu perturbé, mais bon, je suis désolé. Enfin, ce live, cette partie-là, quoi. On va faire encore des cauchemars, et après il faudra faire des casse-têtes, etc, etc. Ça va être encore un autre bordel, ça. Je le sens. Alors, minuit 55. Ah, cauchemar. Troisième jour. Ah. Oh, encore ce mouton, là. Ah, il y en a plusieurs, hein. Vas-y, cours. Ouf, il va se passer encore des conneries, moi je le dis. Alors, torture, salle de torture, premier étage. D'accord. Les blocs pièges s'activent lorsque vous montez dessus, ne vous y arrêtez pas. Ah d'accord. Ah oui d'accord.
Ouh là 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 là. Combien de temps dure? Ah ça j'en sais rien frère. Vas-y vas-y vas-y. Ouais ça descend pas, c'est quoi le bordel? Bah, on va pousser ça. On va faire comme ça. Ouais je mets... Voilà. Bon allez. Non 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 non, c'est bon c'est bon c'est bon. Allez on tourne, on va pas se casser la tête. Ok. Ouais, c'est plus simple comme ça, évidemment. Ouais, voilà. Ok. Ok. Ok, très bien. Ok. Ok. Tac, 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 tac. Tac. Ah bah voilà, ok. Ah bah très bien. Ah c'est pas fini je pense. Hein. Faut que j'apprenne comment on tire les blocs, parce que j'arrive pas, je sais pas comment faire. Je me rappelle plus en tout cas. Hop là. Ah, ça remonte encore. Ok. Ok. Très bien, très bien, très bien. Allons voir plus haut. Ah, on est encore dans cette zone-là. Ah, bah, elle est là, la pianiste. Alors. Rin? Ah, je sais pas ce qu'elle fout là, mais. Oh, hi Vincent. I'm not sure what's going on, but I found this piano, so I just started playing it. What are you doing here? Bah je sais pas ce qu'il fout. Aren't I just a sheep to you? A sheep? What do you mean? Come to think of it, you're not a sheep either. What's going on? There's no time for that. This place is bad. If you don't get out of here, you're gonna die. Die? Mais non. I see. So that's why everyone's so scared. In that case. I'm telling you, this is no time for piano. C'est pas le moment du jeu du piano, bah oui, hein. Dans un endroit pareil, mais tu m'étonnes. I'd like to share that feeling with everyone else. Oh bah, jeu du piano, moi je me barre, hein. Je vais pas t'attendre, hein. Je le dis. That's right. I heard it earlier, man. And then the ground stopped crumbling. Was that because of Rin's playing? Mm-hmm. Mais bah oui, là forcément. Rin? Elle a disparu. Elle a disparu, frère. Allez, hop. On va sauvegarder. Tac. Hop. Parfait. Alors, on va aller tout droit, on va pas parler à chaque fois aux gens là, parce que... Pff. Allez. Alors, voyons voir. Quelle surprise! Je ne m'attendais pas à avoir de la visite. Ça doit être la première fois qu'une telle chose se produit, tu m'expliques ce qui se passe. Disons juste que les événements qui ont pris grâce à toi quelque chose d'inattendu se produit. Quoi qu'il en soit, je vais continuer à te poser des questions. Voici la troisième question. Pensez-vous que l'âme sœur existe? Bah oui. Oui, elle est quelque part. Non, pas derrière l'écran quand même.
Bon, moi je pense. Moi je réponds en fonction de moi. À propos, tu ne pourras pas emporter ces souvenirs avec toi en revenant dans le monde réel. Alors je vais oublier et cet endroit. Si tu sentais quoi que ce soit dans la réalité, ça aurait des conséquences fâcheuses pour mon jeu. C'est la règle, aucune exception. Ok. Très bien. Ok, ok, ok. Ah, 50-50 quand même, hein, presque. Ouais, ouais. Salle de torture, deuxième étage. Ok. N'oublie pas que chaque type de bloc suit ses propres règles. Soyez extrêmement attentif au comportement de chaque bloc si vous souhaitez survivre. Bon, on sent encore des clés. Ouais, je sais rien. Alors. Vincent! Ouais. Rin. Up here. Ici. Le sol s'écroule, fais attention, je t'en supplie. À partir de maintenant, Rin va utiliser un pouvoir spécial pour vous aider. Quand Rin commence à jouer du piano, la chute des blocs ralentit. Profitez-en pour grimper rapidement jusqu'à l'objectif. Ah ouais, d'accord. Ouais, je sais déjà, tu commences là. Allez, vas-y, descends. Voilà, oh, je comprends rien. Allez, vas-y, descends. Bon, allez. Allez. Moi, je veux profiter de l'histoire, j'ai pas envie de me casser la tête. Hein. Franchement, là, au pont, on est... Je sais que je joue la facilité, mais je m'en fous. En fait, c'était simple. Hein. C'était très simple. C'était très simple, en fait. Ok. Toujours sauvegarder. Comme ça, on est sûr que... Il se passe. Ouais. Ce piano semble vraiment besoin d'un assez. Mais serait-il toujours là pour toi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ton destin t'appartient, fais de ton mieux. Voilà la quatrième question s'ouvrant une nouvelle possibilité. Appréciez-vous que votre partenaire vous livre tous ses secrets? Oh, pas de secret pour... Pas de secret trop lourd à porter. Ouais. Je suis pas sûr, mais bon. Oui, c'est mon choix. Tu devrais survivre pour découvrir la réalité. D'autres moutons ont déjà persévéré de par le passé. Vraiment. Tout en haut, au 8e étage, se trouve une cathédrale. On dirait que s'ils atteignent son miracle sacré, verront les portes de la liberté s'ouvrant devant eux. Quant à la suite, elle ne dépendra pas que de toi. Écoute, j'entends la voix de la régulature. Alors, là, je suis en train de lire. Hein. Je suis en train de lire. D'habitude, dans la première vidéo, j'ai pas lu. Mais là, je lis exceptionnellement pour éviter d'entendre le bruit que vous voyez au fond. En fond, donc voilà. C'est pour ça que je lis par-dessus la voix. Mais bon. Je le ferai pas pour la prochaine fois, quoi. Voyez-vous ce que là. Ah oui. Oui. Ah, quand même. Pas de soucis. Pas de secret trop lourd à porter. Ah bon, d'accord. Ah, j'avais pas... Ouais, d'accord. D'accord, je pensais pas que... Oui. Ok. Utilisez le terrain de votre avantage pour éviter les attaques. Ok. Come on, man. Is it this time?
Ah. Allez, cœur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, la bête immorale. Ah ouais. Ok. Get it now. Opening the door is crossing the finish line. Stay away, baby! Stop it! Okay. Ok. Très bien. Tu as survécu une autre nuit. Et si nous jetions un autre regard au passé? Le thème de cette nuit est souvenirs fugaces de la jeunesse. Ok. 15 années auparavant. Ah oui, 15 années auparavant. Ah ouais. On est reparti loin là. I'm just filling in for someone while they're gone. And then, damn, I'm gonna make you my own personal cheerleader. Don't you have a girlfriend? A college student asked her out yesterday. Don't doubt that. I have to go change. Sorry. Hey guys, I brought lunch again today. All right. Yes. She's totally into me, man. No. Ah, come on. I can dream, can't he? You adored her so much back then. Shame how people change. Désolé, il y a un chien qui aboie dans la rue là. Maintenant, c'est la merde. Voilà. Oh putain. Désolé. Catherine. Hein? Catherine? Oh oh, t'aurais pas dû dire ça, toi. What is she doing here? I thought I came home alone. Shit. Sorry. Did I say something? Catherine. I did? well, It's okay. But it's a bit embarrassing. It is? You haven't called me by my name before, have you? Your name? What is it, Vincent? Nothing. Are you fucking kidding me? Hey, are you angry with me? Sorry for coming by out of the blue. Wait, so she just crashed here? Well... I'm more surprised than angry. I just... I thought that you'd want to see me, Vincent. I... just Whoa, kidding. Hey, hey. I couldn't keep myself away from you. Oh.
Last night was amazing. It was the first time I've ever done something like that. What? Oh, wait. What did I do? You're gonna make me say it? You're so Wait. Okay, time out. Time out. You've got 10 seconds. Okay, look. Why me? Because I like you. What about you, Vincent? What do you think about me? I think you're really cute. Thanks. What else? What else? Am I just cute? I'm in love with this. I'm kind of jealous of you. You seem to live however you want. What do you mean? That's normal, isn't it? Vincent, you can live however you want, too. Désolé du bruit. As you never think of cheating on me. Cheating? Listen, Catherine. There's something I gotta tell you. Eh là là. Il risque d'être dans la merde celui-là. Come on. Hey. You think you look good in those? Yes. Quit joking around and listen. This is really important. Sorry. This month, I'm running really late. Huh? I think I'm pregnant. Oh oh. Oh la 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 la. Say something. Sorry, So, what are you thinking? Mais il va rien dire. So why am I sweating? I mean, I have to take responsibility, right? Mais oui. Come on, say something. Of course I'm happy, but... But? This is great. So you're happy. That's good to hear. Ah, I got a poem. To be honest, I was a little worried. It's so hard to tell what you're thinking sometimes. Oh, don't worry about me. I mean, yeah, it's surprising, but it's not like you're sure of anything yet, right? Well, yeah. Eh ben, le téléphone. Go ahead, answer it. Okay. Hello? Il a l'air de l'amener la baguette, hein, lui, hein. Oh oh, il manquera plus que l'autre. Hello. Thank you for calling. What are you doing? Hey, I'm in the area. You think we can... Ah non. That's going to be a little difficult. Aww, you mean you can't? Where are you right now? Ah non. C'est pas le moment. Comment est-ce qu'elle est hanging up or she'll suspect something. What's that? Hello? You're breaking up. Il est dans la merde celui-là. Il est dans la merde. What was that? Tu veux dire c'est un pote? Ah ouais, bah, un boulot. Ouais. From work. Said something about a bug, but it got cut off. You know the reception isn't very good in the office, but it didn't sound urgent, so. Not that. Your phone. Did you get another one? Huh? Oh, this. Yeah, the new model came out last week, so... It hasn't been that long since you got your old one. No. You could have still used it. Didn't you buy a new computer a little while ago, too? You always throw your money away. I... You're going to have to watch yourself from now on. You know what I mean, right? Right. Sorry.
Well, it's okay since you've been working hard. After all, I might have to take maternity leave. Yeah, you might, huh? Oh, but I plan to go back to work after having the baby. We'll just have to split up the housework, okay? Mettre la pelle là de l'autre côté. You can't throw your clothes everywhere anymore. Oh, okay. Also, it's a woman's job to be dating another woman. That's terrible. Whoa, there's ants all over this camp. Allez, entendez-vous maintenant. Maybe his name will appear in the morning. So you need to make sure you're saving up. And all your late-night drinking isn't cheap, you know. So I'll be handling all our bank accounts. Oula. Il a entendu la voix de la fille. Mais oui, il l'a entendu. Listen to me. I'm listening. My stomach hurts really bad. So I'm gonna go to the bathroom. Vincent, you've been acting weird today. No, I'm fine. I'm fine, really. No, I don't mind being in the smoking section. Hey, is this the smoking section? Huh? Well, yeah. Oh, right. You've gotta quit smoking too. It's not good for the child. Bathroom gotta go right now. Il est dans la merde. I'll ask my parents when they'll be available. Il est dans la merde. Aïe, aïe, aïe. That was a fucking close one. Ah, il s'est enfui carrément, il est pas allé aux toilettes. Rin, you in there? You left your door open. Il n'y a personne, forcément. Ah, elle est là. You okay? Ça fait mal, ça. I must have been so tired. I just... Oh, yeah. Last night was really something, huh? Last night? You heard it. Okay, explain this. It's not what you think. I'm not that kind of guy. I don't even know what happened. You don't remember? Well, you know, I've been kind of forgetful lately. And, anyway, can we talk about this room? Is something wrong with it? Not wrong. I just mean, what is all this? Like that thing. What is that thing? Oh, that? At nighttime, all those lights turn on. It's really pretty. Oh, and that one wiggles when you sing to it. It makes me feel better when I'm down. Désolé du bruit, si vous entendez derrière. C'est un c'est une partie très mouvementée aujourd'hui. Je peux rien y faire. Ah voilà, ah bah oui, bah évidemment, je suis désolé. Alors, c'est pas vrai. Well, come to think of it, I used to collect those ninja sheep erasers I got in my cereal. Oh, they might not have looked like much. I sure did love the damn things. Parents didn't, though. One day they just threw them all in the trash. That's so sad. Only you should get to say what's important to you. I know. I'll give you one of mine. The tip lights up on that one. No, it's fine. But thanks for the offer, though. Are you sure? I want to share my happiness with you. You're an odd one, Rin. Yet, it's kind of a breath of fresh air. Never met anyone quite like you before. So, what kind of people have you known? Well, people telling me to be a man, to grow up. Just a lot of people trying to push their values onto me.
No? I think they're the odd ones. No one can tell you how to live your life, Vincent. Yeah. Oh, right. Here. You'll need a way to stay in touch with Eric, right? Well, there's my old cell phone. You know how to use it? Non. Here, let me show you. Il est trop mimi, cette fille. Je sais pas pourquoi. Okay, you see this? You press this button here, and then... All right, you got it all set up? Why don't you try sending me a text? Oh, look, there it is. Oh. Catherine? I'm not sure about the spelling, but... that's the name I remember. Oui, oui, oui. Wait, when she told me her name, did I only hear the last part? Oh, I see. So you're another one. Okay. Is something wrong? Nope, no. But, Rin is easier to say, so can I keep calling you that? Of course. Il est pris en flag, ce mec. Il est pris en flag. At the cafe? That's a close call. I can't believe she didn't catch you. Dude, is she really pregnant? Enfin, il dort, lui. Ça y est, il est fini. Capital F. It's not fucked yet. I mean, nothing's set in stone. So then, what'd you tell her? Who's the father? I told her I was happy to hear about it. Doesn't look like you're happy at all. This is all getting too much for me, you know? So you're finally tying the knot. Congrats, Papa. Get ready to kiss your wife's ass for the rest of your natural life. No going out late, no liquor, no smoking, no gambling. No relaxing on weekends, because you've got to take care of the kids. Really? Dang, that sounds really tiring. Hey, you guys. Quit filling his head with doom and gloom. Ah, désolé, Erica. Oui. Come on, cheer up. Compliqué cette partie aujourd'hui, compliqué. Raising a nice, happy family is supposed to be a good thing, right? A happy family. Never had one of those before. I can't see it. Okay, the girl I've seen. The only one. That's irrelevant. It's just because of the way you two grew up. So, Vincent, what's this weird dream you said you had? We'll listen to you tonight. Weird dream? Why are you asking now? I really can't remember it anyway. You don't? I was being chased by something. I don't know, it was scary. Sounds common, man. Hey, excuse me. Yeah, and you feel like you didn't get any sleep at all that night, right? Excuse me. Oh, what are you doing here? Did you people know the reason you're taught as a child to count sheep so you'll fall asleep Yeah, sheep rhymes with sleep or something. Ah, sorry. Hey, boss, another rum and cola, please? Hey, don't be so rough on the guy. One day we'll all be old farts like him. Not all of us. Anyway, you're having these weird dreams because you're cheating. Yeah, I get that, but... Besides, Catherine might be pregnant, right? Eh ben, forcément, il va se faire prendre en flag, lui, hein, c'est sûr. Remind me of that. It is in a man's basest instincts to cheat. Here you go. Non, mais carrément, regardez-moi l'autre. Le serveur, regardez-moi ce qu'il a. Ah là 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 là. Those two used to date each other. Feather and Beetlejuice? What? No way! Well, same-sex couples are pretty common these days. That's not what I mean. When two chicks pair up, that's two less fish in the sea for me. Désolé, du coup. Oh, cette partie, je la déteste. C'est la partie la plus détestable que j'ai jamais faite de ma vie. Hein. Je suis désolé.
des bruits, des machins de fond là, c'est horrible. J'espère que ça va pas s'entendre dans la vidéo, mais là ça va être horrible. So they don't even need to be human. Yeah. This girl's on a whole nother level. I don't know. I think it's sweet. Isn't it, Toby? I told you, I like girls. You too, right, Vincent? Huh? I mean, yeah. Well, you are dating one. Or two. Shut up. Oh, what am I gonna do with you guys? Okay. Il y a beaucoup de blabla, hein. Il y a beaucoup de blabla, il n'y a pas assez de gameplay. Hein. Il y a des gens qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer. Donc, Alors le temps s'écoule lentement chaque fois que vous essayez et parlez à des gens. D'accord. Amusez-vous avec les autres clients du bar, avec le temps les gens et les sujets de conversation changeront. Certains clients vivent des moments difficiles ces temps-ci, essayez de les encourager si vous le pouvez. Vous pouvez rentrer chez vous à tout moment en passant par la porte de devant. D'accord. Déjà... non. Déjà, on va sauvegarder. Parce qu'on a bien... Voilà, hop. Très bien. Très bien. Ok. Allez. Saluer. Alors, avec qui on peut parler? Tuk-tuk-tuk. Alors... Je me demande où sont passées mes lunettes frôlantes. C'est un accessoire important qui ajoute un piment bienvenu à mon quotidien morose. Attendez, se pourrait-il que quelqu'un ait déjà... Et déjà quoi? Cette fille du piano me dit quelque chose. Ce client est un journaliste. Il semble être obsédé par une certaine légende ces derniers temps. Une légende. Au départ, j'enquêtais sur ces morts mystérieuses qui sont gênées derrière moi. En fait, je m'appelle Justin. Oh, on se connaît, non? Je me demande. Je vois. Excusez-moi, nous étions... Ah oui, la légende. Bref, en faisant mes recherches, j'ai trouvé des archives m'indiquant des cas similaires à tous les clients, tous les 100 ans. Des tas d'hommes sont morts la dernière fois, c'est la vérité. Moi, ouais, tous les 100 ans. J'ai aussi trouvé une autre version étrange de cette légende. Elle dit qu'un homme y survit. Il survit au rêve? Très bien, très rarement. Il y a un homme victime de la malédiction, mais qui ne meurt pas. C'est intéressant, non? On dirait que ce survivant a le droit de faire un vœu. S'il est le vœu de la vie éternelle, il est peut-être encore dans les parages. C'est comme une lampe mystérieuse, merveilleuse. C'est là que tu voulais en venir et tu as un vœu en tête qui te souhaite faire. La vie éternelle, trop typique. Moi, je ferai un tout autre vœu. Je souhaiterais changer le passé et quelqu'un me tue. Ah ouais, d'accord. Ah bon, j'ai reçu un truc. Voyons voir. Alors. D'accord, ok. J'ai appris à joindre une photo. Erika m'a essayé de son niveau, mais le travail de quoi j'ai l'air. Je t'attendrai, d'accord. Ok. Oh, pas mal. Très joli. Alors, répondre. Alors, j'espère. Ça te va énormément bien, c'est un simple. Hein. Le patron risque de te mater, tu devrais porter ça. Ouais. Tu attireras plus de clients, mais ton boulot c'est de jouer au piano, non? Fais-moi signe en cas de souci. En tout cas, bon courage pour le travail, fais-moi signe en cas de souci. Ok. On envoie... Très bien. Ok. Alors, tac, Joybox, moi, ouais, je m'en fous de ça. Oui, non, j'ai pas envie de jouer. Lui, on lui a déjà parlé. Tant que c'est amélioré en cuisine, pas toi, ça dépend de qui au fourneau. Ouais, bon, je sais que je suis une quiche en cuisine, bref, j'ai trouvé un super resto l'autre jour. Le chef est un peu zarbe, mais ça bouffe bien. On a décidé de lui enfiler les autres thés, on a juste de les réchauffer et le tour est joué.
Avant, c'était le patron qui cuisinait, mais là, il y a du souci de hanche. Eh bien, je m'en souviendrai la prochaine fois que je boufferai ici. Ok. Voilà. Voulez-vous parler à l'INSEE? Voulez-vous parler à... Essayez-vous donc. Avez-vous déjà entendu cette histoire auparavant? Celui qui gravera la plus haute montagne verra son vœu exaucé. C'est-à-dire? On raconte qu'un homme a gravé cette montagne il y a 300 ans et qu'en retour il a reçu une fortune. On raconte qu'un homme a gravi cette montagne il y a 700 ans et qu'en retour il a reçu le monde. Les enfants échangent le vœu et pourra se faire que lui son. C'est un conte de fées ou quoi? Ce sont des histoires vraies. Une histoire de réponse est basée sur cette histoire vraie. Un prince qui fut capable d'excéder une haute tour. Une très haute tour gagna sa princesse en retour. Et à votre tour, qu'allez-vous obtenir? Hein? Allez-vous devenir l'homme de légende? Non, c'est rien à moi. On répond. Ok. Oh merde, pas. Qu'est-ce que tu veux dire par oh merde? Ah oui, tu n'étais pas au café près de chez toi tout à l'heure? Je n'étais pas dans le coin. Tu as dû me faire confiance avec quelqu'un d'autre. Vraiment? Et j'ai cru voir quelqu'un qui te ressemblait de dos. Hein? Je te jure, ça ne pouvait pas être moi. Il y a un café près de chez moi? Il y a plein de cafés partout. Oh zut, ça brûle. On se voit plus tard. Plus tard, attends. Ok. Bon, on va quitter la conversation, on va aller se barrer. Hein. On va se barrer. Ok. Tu pars maintenant? Tu n'as pas l'air dans ton assiette, peut-être que tu devrais trouver quelqu'un pour t'appuyer. Ça va, je vais continuer à boire chez moi. Il y a des choses que l'on ne devrait pas éviter. Merci Erika. Et prends soin de toi aussi. Ne bosse pas trop dur, ok? On n'est plus aussi jeune qu'avant. Mais je blaguais. Ok. Bon, désolé, cette partie était vraiment très très perturbée avec les bruits qu'il y a autour. On va bientôt s'arrêter là. Quatrième jour, chambre de Voss. Watch yourself from now on. You know what I mean, right? Oh, but I plan to go back to work after having the baby. We'll just have to split up the housework, okay? You can't throw your clothes everywhere anymore. And all your late night drinking isn't cheap, you know. So I'll be handling all our bank accounts. Mm-hmm. Ouais, d'accord. Super. Il a bu jusqu'à l'épuisement. Bravo. Ah, ça doit être Catherine, ça. Ça doit être Catherine. Il va pas être dans la merde, celui-ci. Oula, cauchemar. Désolé. Regrets mean nothing here. There's no saving a repeat offender like you. Mm-hmm. Should you wish to escape judgment, you'll have to run. Ok. Inquisition, premier étage. Ce niveau va tester vos capacités cognitives. Utilisez les propriétés des blocs qui chutent afin d'aggravir le mur devant vous avec efficacité. Ok. C'est quoi cet endroit? Ah! Ok. Jusqu'à là, c'est pas trop compliqué. Edge.
little more. Mm-hmm. Okay. Très bien. Ok, ok. Ah, nouvel endroit, ça. Il y a toujours la file. Hop. Un sauvegarde. Ok. Très bien. Comment on se retrouve? J'ai l'air de vous entendre, bah oui. Apparaît sous détresse humaine, Tu es libre de choisir ce que tu crois. À présent, je t'écoute. Voici la cinquième question ouvrant une nouvelle possibilité. Est-ce que le regard des autres vous préoccupe? Ça ne m'empêche pas de dormir. Honnêtement, je m'en fous. Je commence à mieux te connaître petit à petit. Mais nous sommes au quatrième étage. Une fois que tu l'auras passé, tu seras mi-parcours. Enfin, nuit par nuit, bon sang, si seulement tu pouvais. C'est le châtiment qui t'attendait, je te plains un peu, cela dit. La personne qui t'a envoyé dans cet endroit te parle tous les jours comme si de rien n'était. Tout en riant derrière ton dos. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous allons pas tarder à y aller. Ok. Moi, je fais en fonction de moi-même, hein, de mes ressentis à moi, en tant que joueur. Pas en tant que le personnage, je sais pas quel est le truc, mais bon. Moi, je m'en fous. Ce que disent les autres sur moi, je m'en tape. Au cas où vous vous posez la question, vous allez... Ah, d'accord. Alors. Ah, ouais. Ah, bien sûr. Ah, ouais. D'accord. Ok, bon, je pensais pas que... D'accord. Bon, je pensais pas que ça allait... Voici l'étape finale de ce soir. Une paroi raide s'est dressée sur votre chemin, restez calme, mais bon, c'est pas à pas. Ok. Encore ? Oh, un bébé géant. Oula. The child has appeared. It's the killer. Do not die. Got it. Alright.
I beat this night. Ok. Nickel. Congratulations are in order for your skills. The Inquisition was unable to extract your secrets. Let's look into the past once more, shall we? So you made it. Tu as réussi à arriver jusqu'au si fascinant. Fascinating. I want to know what. Je veux savoir quel genre de personne tu es vraiment. You really are. Why don't we pull up some. Et si on se replongeait dans quelques vieux souvenirs, ceux que tu aimerais chasser de ta mémoire. Like the day your love. Comme le jour de ton premier baiser. Oula. 5 années auparavant. Gotta say, this is delicious. I'm so glad that we met up at that reunion. It's the least I could do. You're always listening to my problems. Well, I'd better get going. Am I really that undesirable to you? What? Catherine? There's something you want to tell me? You are beautiful. Mm-hmm. How innocent you two were. I wonder what changed. Or do you already know the answer to that? Non, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout, frère. Quatrième so, jour. What did you want to talk about? What are you doing here? Are you okay? Did you drink too much last night? You called me over, and you don't even remember. Huh? Ray. I mean, yesterday, I... What's wrong? You're acting weird. Weird? Me? God, why can't I remember the time I spend with you? It's like the important parts are missing. Oh, I remember them, though. Well, I wonder why I... Silly. Oh, the piano was so annoying. Huh? You think? My head hurts just listening to it. Mm-hmm. What's this long hair? It's Catherine's. What should I do? Should I just tell her? No, I can't let her find out like this. Oh, that's mine. Probably off my chest. You know, manly. Huh? Your chest? Really? Yeah, yeah. You know, it's that. You know when sometimes a long goes on your body, it's good luck? But this is, like, really long. Yeah, I was growing it out. Guess it just fell out by itself. Good thing, too. It's bad luck if you pull it out yourself, you know? Oh, really? Yeah, but it's still long. It's not from another girl, is it, Vincent? No, why would you say that? You know, because if it is, I'm going to die right here. Oh, yeah, yeah, yeah. Knock it off with all the dying stuff, okay? Then I'll kill you. I die, or I kill you. Which would be better? Ooh. Come on, whoa. Fine. Qu'est-ce qu'elle fout? I'll give you 5 seconds. If you don't answer me, I'll kill you. 1, 2, 3, 4. Hey, come on. Quit fooling around. Bye. There's no other girl. Right, you're imagining things. Is that the truth? Of course it is. Le jeu avec ses nerfs. Ok, I trust you. Désolé si vous entendez du bruit, je suis désolé, putain. C'est infernal quand t'es pas concentré sur un truc. Désolé, un gameplay pourri, mais le plus pourri que j'ai fait.
Enfin, supporter, supporter, c'est tout ce que je voulais vous dire. I'm not going to ask you about the past. It doesn't matter. But from now on, if you ever cheat on me, I'll be angry. De toute façon, on va bientôt s'arrêter là, comme ça, il y aura moins d'emmerdes. Oh oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que la fourmi vient foutre là? Aïe aïe aïe. Oh oh. You don't have to get that, do you? Whoa, 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 wait, hold on. Pas bon signe ça. Oh oh. Hey! You! What the heck? Why is this locked? Unchain this door! T'es dans la merde, toi. Sure, but hold on a second. Ferme la porte, ferme la porte. Who's that? It is my landlady. She was trying to open the door. Hmm? The landlady? Yeah, I forgot to pay my rent last month. You know how it is with money. Il est dans la merde, lui. Il est dans la merde. You gotta be kidding. I'm gonna use the bathroom. C'est pas bon. What the hell, Vincent? What is this? Will you keep it down? Huh? One of my bosses is here. Huh? Really? Not the best time for you to be. Maybe I should at least say hello. No, 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 no. It's real grumpy if you wake him up. He's sleeping in the back. Well, if you really think it would... Uh-oh. Il est pris en flag, c'est con. Hurry up. Hey! Go, 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 go. Oh, bon, bon. Sorry. I'm really sorry. Oh, putain. De l'odeur, ouais, c'est ça, genre. Really smells, you know, and he was drinking last night. Oh, really? Yeah, I'm glad I got. Et l'autre, elle y croit, c'est le pire. We're not that close, but he kind of forced his way in while he was drunk. Oh, well, he is your boss, huh? Yeah, he is. You just seemed really stressed, so I came to see how you were doing. Well, thank you. Come by after work and I'll complain some more. Oh, I got you something from the new shop that opened up. Oh, yeah? Here. I'll see you later. Oh là là. Owen, I am pregnant. I just wanted you to know. Seriously? Was that why you really came here? I need to make up my mind quick. You don't know how that makes me feel. Seriously. See ya. Hey. Oh, she moved in recently. She works at the bar with Erica. Plays the piano. Isn't she cute? Well, bye. Comment elle a pu aller là-bas, elle? Tu m'étonnes. Ok. We still need to meet my parents and tell them. Oh, and we have to pick a name, but that might be rushing things. I'll text you the details later. I gotta go. Meeting the parents. Am I just gonna sit here and let this happen? Hmm? You got a mail. Whoa. Eh ben bravo. God, look at her. Oh man, will you look at those? What am I doing? No, I've made up my mind. I can't let her tempt me. Shit, if she finds out, I'm screwed. T'es déjà foutu, frère. Quick. Time to think about the future. Still.
You're late. Did you see the movie where the guy was, you know... Shut up, asshole! And just give me some toilet paper, please! Well, quit mumbling. I can't concentrate in here. Still, this girl... What? Girl? Hey, what are you looking at in there? I wanna see? Non, non, c'est pas pour toi, frère. Pas ton problème. What am I thinking? This can't go on any longer. I have to tell her to stop. Dude, do not delete that picture. So, you still doing the two-timing tango? Yeah, don't say it like that. It wasn't on purpose. Well, if she is pregnant, you gotta bite the bullet. Yeah, you're only saying that because it's not you. Hey, man, variety is the spice of life. You need to enjoy it more. Just like the wasabi-coated sushi they serve here. You know what I'm saying, bro? You suck at metaphors. What I'm saying is you've got options ahead of you. Yeah? Maybe Catherine would be happier as a single mom than she would be with you. What, are you drunk? No, she wouldn't want that. Well, what exactly do you want here? My mind and my heart don't exactly agree on that. Uh-huh. Well, then you've got to be even more careful. If you're caught, you can't call it an accident anymore. I know. I know. Accidents, huh? More and more of them lately. The old guy next door to me kicked the bucket. I heard. Shocking, huh? Thought he always did like to party. He probably partied too hard. He had this horrible look on his face. Really? It's like that stuff on the news. Anyway, have some Magro. It's supposed to be good for your circulation. Huh? You're as pale as a ghost, man. Oh. You going to the bar tonight? Maybe. You? Nah, I have to pass today. Got overtime. But I guess all you can do is drink and forget, huh? Pretty much. Enough with the shitty piano. Quatrième jour. You're making my ears bleed. Why don't you come play with me instead? Sorry, I'm in the middle of a performance. Huh? You gonna talk back to me too? All you bitches need to shut up and do what I say. Excuse me, but are you in charge of how other people live their lives? What's your problem? You fucking... Hey! Would you give it a rest? I don't know what you're going through, but don't take it out on her. Besides, trying to make other people change is pointless. I mean, I'm not one to talk. But I'm telling you, if you want your life to improve, then it's up to you to... Hmm? Il dort. Ouais. Is he even listening? Anyway... You okay, Rin? Yeah, thank you. Don't waste your breath on guys like him. Man, you say some thought-provoking stuff. It's like you got a whole nother perspective. Philosophically, I mean. Really? I think you're pretty amazing yourself. You always lift people up when they're down. Do I? I mean, I've given people a lot of things to complain about. But you know... Hearing that from you makes me kind of feel like... What the... Did we meet somewhere else? Ugh, damn it. Just confusing myself. Huh? Vincent, I'll be waiting for you. Don't forget, okay? Yeah. Sure, I'll be here again tomorrow. Ouais, fais dodo, c'est mieux toi.
Bon, on va s'arrêter là, les amis. On va juste voir les nouveaux messages. Ok, bon, c'est la même chose. Hop. On va s'arrêter là, les amis, pour cette partie de Catherine. Ça a été un peu mouvementé, j'en suis sincèrement désolé. N'hésitez pas à partager, vous abonner à la chaîne, évidemment. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.